s'il te plaît. Oh, je s'en fous de la nature. Bah non, ça pollue. Oh, je me mets le doigt la dernière fois t'as jeté. Ouais, la dernière fois, mais depuis j'ai regardé une vidéo sur Tara et ça m'a fait trop chaud. Hein? C'est quoi Tara? Pour regarder la vidéo. Bon, vas-y, vas-y. Salut à toi, cher Terrien. Tu sais que tu t'empoisonnes de jour en jour? Tu veux savoir pourquoi? On va te l'expliquer dans cette vidéo. Vas-y, on t'écoute, madame, je sais tout. Eh oui, on a tous déjà mangé du plastique. Bah moi, je suis végétarien. Mais même toi qui ne manges que du bio et qui est végétarien, tu as déjà mangé du plastique. Écoute, et tu sauras comment le plastique se retrouve dans nos assiettes. Commençons par le commencement. On fait cette vidéo pour la fondation Tara. Tara, c'est une fondation qui s'intéresse à la pollution et qui protège les océans. Parce que toi, oui toi, tu es responsable de ce que tu manges. Et ça a un rapport avec la pollution des océans. Ah bon, pourquoi? Moi je m'en fous des océans. Je ne devrais pas, car le plastique se retrouve facilement dans nos assiettes. Et oui, en jetant, en achetant, tout ce que nous mangeons est contaminé par le plastique. Ce n'est pourtant pas compliqué de faire ça. Bon, en vrai je te dis ça, mais même quand on jette du plastique dans les bonnes poubelles, seul 3% du plastique est recyclé. Ça ne sert à rien alors de recycler. Au contraire, car si tout le monde s'y met, il y aura moins de déchets dans les eaux. Et oui, car tous les déchets que tu jettes se retrouvent dans les océans. Et cela est vraiment embêtant pour les terriens. Ah bah non. Faire plus attention. Oui, si tu veux faire plus attention, il faut que tu fasses tes courses en vrac, puis tu achètes des bouteilles en verre que des bouteilles en plastique. Tu ramènes ton petit sac en soie pour faire tes courses, ça sera plus écologique. Et aussi, quand tu vas manger dans un restaurant, ne prends pas à emporter, mais prends sur place. Merci pour tes conseils. De rien, cher Terrien. Et n'hésite pas à liker la vidéo et surtout partager. Et garde ça en tête, nous sommes responsables de ce que nous mangeons.